Bonsoir. Voilà, c'est bon, j'ai le son du jeu. Alors, de retour sur l'allié d'isolation. Pour essayer de le finir. Normalement, ça devrait se passer dans ce live. Normalement. Je dis bien, normalement, j'essaye de me régler. C'est presque parfait. Sauf que, bien sûr, voilà. Aura du front. Aura du front des cheveux. Donc, j'en étais à je sais plus quoi, mais en tout cas, c'était la merde. Résumé grossièrement, c'était ça. C'était la merde. Bon. On tirait dessus, on me poursuivait. Enfin, c'était... Je sais même plus ce que je faisais. Voilà. Il fallait que je me trouve un moyen d'amarrer le torrents. C'est ça. Déployer la plateforme de remorquage au terminal de vos spatiaux pour s'échapper à votre torrents. Alors, qu'est-ce que je fous ici dans cette pièce où on va me tirer dessus? Je ne veux pas qu'on me tire dessus. Le courant est rétabli. Non, je suis pas là. Quel enculé! Ok, c'est bon, je me rappelle. C'est bon, je me rappelle de tout, là. Je me rappelle que le gars, en fait, faut qu'il m'attaque, mais moi que je sois loin. Comme ça, il se fait défoncer, et moi, je suis peinard. Est-ce qu'il y a moyen de se planquer? Est-ce que si je fais du bruit, et que je me planque... Rien pour l'instant. Ah, merci Star Wars. Vas-y l'alien, t'as entendu là? T'as entendu l'alien? Quand même. Cette mort ridicule. Je me suis fait... Bon ok. On va essayer d'y arriver. Hein. Il faut pas que j'utilise de munitions, parce que les munitions, ça se perd. Ça veut dire qu'il faut que je latte ce mec sans faire trop de bruit. Genre, le mec, il a quand même tiré. Non, ça va. Non, je suis pas là. Attendez, ça me gratte l'oreille, pardon. Ça arrive. Démangeaison. Dans les moments de tension. Hein, toujours. Toujours les moments de tension. Attention! Bah... Mec, il crache comme ça. Là, il comprend rien. Plaqué! Non! Mais non! Bon, d'accord, ok, mettre les taquets au mec, c'est dangereux. Bon. Faut que je trouve une solution pour faire du bruit, attirer l'alien, mais me barrer quand même. Ou passer à côté du mec, tout simplement. Je peux aussi essayer juste de passer le mec, et puis c'est tout. Parce qu'il faut que je trouve un moyen d'amarrer le torrents. Je me demande ce que les gosses sont en train de faire en ce moment. En fait, je sais pas trop où je dois aller, c'est ça qui me... pas la direction. Ici. Comment je me sors de cette épave? Là? Faut que j'aille là? Ici? Je sais pas. Je peux rétablir le courant. Objectif bien simple et tout. Ah, faut que je passe là. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé la solution. Je vais être discret. Ils m'entendent pas. Personne n'entend rien. Ils sont tous sourds au bordel. Aucun problème. C'est tellement débile, genre. T'as le soudeur thermique. Et... Oh, ils l'entendent pas. Alors. Oui, je ramasse l'amorce. Ordinateur? Courant? T'es au courant? Code pour le travail de réparation. Ah, 1851.
D'accord, ça c'est une info que je vais garder. Ensemble pour demain, on en a rien à foutre, on a parié sur le mouvement. Non, non, mais non. Vous avez mis trop de temps. J'ai été obligé de boucler. Alors, 18:51. Il est déjà la chair de poule avant. On ne peut pas se permettre de laisser le sanctuaire grand ouvert. Il suffit qu'une seule créature s'infiltre, et toutes les provisions et armes qu'on a ramassées seront foutues. Oui. Oui. Plus la dernière fois que j'ai on va rester jusqu'à ce que les secours arrivent. Je suis navré. Oh, il est là. Quand vous avez commencé à poursuivre un vaisseau qui ne viendrait jamais, vous avez dévié du plan. Sinclair terminé. Il est là, ce con. Voilà, 18, 51. Ce qui est juste chiant dans ce jeu, c'est qu'il faut aller chercher le mot de passe pour que le gars puisse... Enfin, pour que je puisse avoir accès à la porte. Non. Voilà. Non, non, non. Il y a quelqu'un. Vite, on va se planquer. Je suis pas là. Comment je vais faire? Ok, va falloir réfléchir un petit peu. Parce que il faut que je m'enlève ce mec. Ce mec est un danger. Ce mec est un problème. Ce mec me pose des gros problémos. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Je peux pas faire un émetteur de son. Oh tiens, vendu. Non, 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 non. Lâche l'affaire, mon gars. Lâche l'affaire. Là, l'alien, il devrait débarquer. Genre, le mec, il a tiré, mais pendant 15 minutes. Bon, oh, hein. Ok, ok, ok. La reprise est dure. La reprise est pas facile. On va faire un émetteur de son, mais se planquer d'abord. Parce que le mec, là, il m'a vu. Pour une raison, je suis pas... Pourquoi, ni comment, il m'a vu. Bon, émetteur de son. Ni, 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 ni. Il est arrivé à un moment. Hein. Bonjour. Et là, je le lance vers lui. Ah, comme ça, l'alien, il va débarquer, le tuer, et me laisser peinard. Normalement. Normalement, hein. Non? Si? Je sais pas, j'entends des bruits. Ah, merci. Voilà, merci. Merci bien. On est content. Maintenant, casse-toi. Va-t'en. Vois ta queue. Va-t'en. Oui, t'es derrière, là. Je m'en fous. Complètement. Allez, casse-toi. Non. Tout va bien. Tout va bien, j'ai pas retenu ma respiration. Et tranquille. Hein. Oh, petits oignons, hein. Une exécution parfaite. Je prépare pas le lance-flamme du tout au cas où. Allez, casse-toi. Non, c'est bon, je l'ai attiré, c'est mort maintenant. Allez, casse-toi. Oui, je sais que t'es là. Deux fois, ok. Non mais, le jeu. Casse-toi maintenant. Tu me trouves pas. Ça, barre-toi. Loin. Rentre dans ton conduit. Ok, rentre dans ton conduit. Rentre dans ton conduit. Putain, il veut pas, hein. Ok, donc faut pas la tirer. Du tout.
il va me faire chier. Casse-toi, allez! Bon, hé. Si c'est ça, je joue. Je joue à bonjour, j'ai un ami, ça s'appelle Cocktail Molotov. Retraite par le feu. Bon, en vrai, c'est... Bon, j'ai vu que c'était de la merde. Bon. Ok, c'est de la merde. Bon. Donc, je vais aller trouver le mot de passe. Je vais trouver le mot de passe. Apparemment, je suppose que je dirais qu'il faut que je le mette là. Ça a l'air pas mal. Cet endroit fuyait déjà la chair de poule avant de partir en live. On voit rien. Tu ne vois absolument rien. Allez, on fait ça, fille, ça. Faut que j'aille le voir sur l'ordi pour débloquer l'accès quand même. C'est débile. Hein. Attends, l'autre il est motivé là? Non, l'alien n'est pas là quand même. Bon. Hop là, bonjour. Je regarde le premier message. Le cop pour le travail, voilà. Très bien. C'est bon, l'autre il vient pas. Oh. Ok, ça va. Ça va pas. Y'a quelqu'un ? Hé, c'est pas intérêt à garder vos distances. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Ça va être très chiant parce que l'alien n'est pas décidé à m'aider. Si encore il y avait un endroit pour se planquer, j'irais, mais... En fait, je viens de là. Ok, je dois venir d'ici, je suppose. Est-ce que je peux pas quand même essayer de taper le mot de passe en loose dé? Et si je peux, je le fais, hein. Mais bon, je pense que le jeu, il va me dire « Non, mot de passe nécessaire. » Et je vais dire « Ah oui, mais je le connais. » Voilà, mot de passe requis. Et je vais me faire mettre. Bon, du coup, apparemment, l'autre con, il vient là. Aïe, fais ça vite. Arrête pas cette vidéo de merde. C'est quoi ça? Rien. Non mais non. Non mais non. C'est bon, je suis mort. Putain, mais tout à l'heure, tout à l'heure, il m'a pas fait chier, hein. Putain, et je vais perdre 20 minutes sur ça. Ça va être un plaisir. Franchement, il y a pas un endroit où je pourrais aller me planquer? Genre, c'est bon, je l'attire et je me barre. Non? Il y a pas moyen? Vraiment, il n'y a pas un endroit pour se planquer. Ça va être un bonheur. Ou alors, faut que j'aille full contact, hein. Je fais confiance à personne. Je vais le faire à ma sauce. T'as changé de voix. Je suis sûr d'avoir entendu un truc. Oui, oui, t'as entendu un truc. Toi, avoir des hallucinations. Je vais essayer de l'attirer ailleurs. Va voir l'autre. Va voir l'autre fumigène. Il t'intéresse le fumigène. C'est quoi ce bordel? Ça s'appelle un fumigène, c'est rien. J'aurais dû le lancer ailleurs en vrai. J'aurais dû le lancer ailleurs, mais maintenant je sais comment m'en servir. Allez, sur eux. On fait ça. Voilà. On se casse. Ça va être chiant, hein. Je l'avoue moi-même. C'est là chiant, lit. Là, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je vois qu'ils viennent vers moi, mais que je me... Faut qu'ils viennent. Faut qu'ils viennent et qu'ils se barrent. Et là, je vais pouvoir avoir le temps... J'aurai le temps d'aller faire ça, je pense.
Alors, faut que je redétourne son attention à nouveau. À voir. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Non, il vient pas. Il vient pas par ici. Il va venir juste devant moi. Je vais être là. Quitte à faire. Hop. Voilà, va voir le fumigène. Va voir le fumigène. Tu vas voir, c'est sympa. Voilà, vas-y. Oh bah, celui-là c'est éteint, parfait. Allez, 18-51. Je vais réussir à un moment. Hein. J'ai toujours pas de batterie, moi. Ah si, j'ai eu des batteries, enfin. Bon, de l'alcool. Ok, c'est ici que je vais rétablir le courant, j'espère. Parce que sinon je me suis fait chier à faire tout ça, pourquoi? Pour une bouteille d'éthanol? Non, c'est là le courant, voilà. On rétablit le système, vas-y, pendu. Faut que j'aille à la save après, hein, parce que... Ah, il y en a une là. Parfait, ennemi proche, à la faute. Donc je peux sauvegarder, ça me va. Voilà. Oh. Merci. Très gentil. Fou le bordel. C'est un beau bordel. Bon. Non, faut se casser. Je sais pas où. Apparemment là-bas, à la carte. Il est où, le con? Non. Qu'est-ce que c'était? Rien. Vas-y, va voir le fumigène. Tu vas voir, c'est sympa. Va voir le fumigenex. Hein? T'as pas envie? Si, si, vas-y. Go là-bas. Go là-bas, je suis absent. Hein? Quoi? Faut que j'aille derrière? Hein? Quoi? Attends. Tu te fous de moi, là? Ah oui, tu veux me faire passer par là. Jeu de con. Il est où? Non, non, y a rien. Pas là-bas. Un fumigène. Ouais, un fumigène, c'est génial. Va le voir. Descendre, mais dans son dos, ça va être chier. Je le sens. Ah, ça va, je l'ai à peu près bien lancé en vrai. Ça devrait le faire. Ah merde, c'est pas là. C'est là où il est. Quel con je suis. Mais bon, c'est comme ça. On fait pas. Hein. On fait pas toujours ce qu'on veut. Non, je suis pas là. Je jurerais que j'ai entendu quelque chose. Grosse alerte. Ok, ça va être chaud. Ok, alors tu veux bien te barrer et me laisser dans cette salle. Gentiment, hein. Casser, s'il te plaît. Hein. Tu vas où, à gauche ou à droite? Tu vas à gauche, parfait. Vas-y, vas-y. Vas-y, descends là-bas. Voilà. Dégage! Sans le bait! Nana, mais non, non! Dis donc! Hein? Dis donc! T'étais pas très gentil!
Ok. 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 Bon allez, réactive tout, j'ai vu où était le chemin. Non, j'y vais y aller. Non, faut juste que j'esquive le gars et je sais où je vais. Je sais pas où il est. Mais je vais me casser sans rien demander. Sans demander mon reste. C'était quoi ça? Rien du tout. Non, non, rien du tout. Va te faire. Voilà, bonjour, la manette. Cling. Voilà. Oh putain. Oh merde, oh merde. J'étais pas prêt. Bon. Oui, 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 j'ai vu qu'il y avait une menace. Le problème, c'est que ça va attirer le gros. Le problème, c'est que ça va attirer papa. Bon, bah on va attirer papa, hein. Après, papa se fera attirer par... par le gars, potentiellement, je pense. Le gars va attirer peut-être l'attention, donc. Il y a peut-être moyen que je m'en sorte. Le gars, on va esquiver... champ de vision. C'est quoi ça? Rien du tout. Rien vu. Ta gueule. Bon. Alors, on vise. Ok, bon, lance-flamme. Lance-flamme, on va aller plus vite. Et il peut pas aller attaquer l'autre mec? Genre, il n'y a pas moyen que je me barre et qu'il attaque le mec? Ce serait trop beau, en vrai. J'adorerais que ça se passe. Genre, c'est pas toi qui te fais attaquer. Ce serait trop sympa. En vrai, je sais pas si c'est possible de faire en sorte que le bébé alien court à l'autre. Ah. J'ai envie de tester. Je sais pas, hein, c'est une connerie. Mais j'ai envie de tester. Parce que, est-ce que il est scripté vraiment pour me niquer la face ou pas? Que si c'est ça, bon, bah ok. Je me casse. Okay, je me casse pas. Dégage. Sous le bureau. Voilà. Un espace de planquage. Très bien. Enfin, le gars va se faire tuer, l'alien. Je peux peut-être me planquer. Non, le gars et l'alien. Aucun problème. La musique qui s'énerve. Bouh! Tout à fait. Bon, je suis désolé, hein, je suis pas un peu moins dans l'ambiance. On sait qu'on est à la fin. Le scare jump maintenant, c'est un peu passé de mode. C'est plus des pièges que des scare jump. Ça va? Bon. L'alien est soi-disant dans le coin. Il a tué le mec ou pas? Parce que je l'ai pas entendu. Bon, il est là. Ça va? Non, ça va. Tranquille. Bon, ça va être chiant. Ça va être chiant. Va falloir que je speedrun la zone. Va falloir que je speedrun. Parce que... je suis face à un problème où je dois tuer une bestiole. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a rien qui fait... j'ai vraiment pas moyen. Bah non, je suis obligé de faire du bruit, quoi. C'est pas possible. Je suis obligé de faire du bruit. Je suis obligé de faire du bruit, quoi qu'il arrive, en fait. L'alien, il est là. Enfin, il y a un mec ici, un alien et un bébé alien. Et un facehugger. Sauf que le facehugger, je suis obligé de le démonter. Parce que, bah, il me tue. Tue sinon. Hein. Et voilà, je suis dans la merde. Voilà. Voilà, où est la commande? Voilà, démarrer le système de transit. Vendu. Pendant ce temps, l'autre, il va attaquer le mec. Voilà. Allez vous battre. Accédez au vol spatial. Il y a des quartiers d'habitation. Et où? C'est en face. Ok. Oh. Oh, il m'a pas vu. Oh, il m'a pas vu. Ouais, ouais, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens. Je te promets, tu vas aimer. Mmh, mmh, mmh.
bloquer? Mais non! Oh, d'accord, en le machin maintenant. Bon, ok, je vais lancer le cocktail Molotov la prochaine fois. Ça va être chiant, hein. Ça va être très chiant. Ok. Là, c'est vraiment la phase en mode « Bon, maintenant, je te mets tout dans la gueule et tu vas voir, c'est un plaisir. » Le truc est inifugé. Ah, maintenant, oui. Alors que non, d'habitude, non. Genre, il n'était pas inifugé jusque-là. Ce bâtard. Et là... C'est ça, en fait, que je trouve le plus chier, c'est que... Je peux pas me barrer. Je suis obligé de buter ce petit, parce que, bah, il m'arrive dans la gueule. Genre, sauf que en faisant ça... Le gros arrive, sauf que le gros, bah... Ça me fait chier, quoi, j'ai pas envie qu'il soit là. Et je suppose l'ascenseur, il va être chiadé, hein. Allez, s'il te plaît, ouvre la porte. Non, l'alien? T'as pas envie de venir? Oh. Non, pas d'alien? Ah si, quand même, un jour. Bon alors hop, je sors le cocktail Molotov. Et s'il vient, ah il va bouffer. Hein. Alors c'est là-bas que je veux aller, là où il est. Pile là où il est, hein, c'est pas ailleurs. Hein. Bon, pour l'instant il m'a pas vu. Bon plan. Pas demi-tour. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin, je suis pas là. Voilà, vas-y. Tranquilo Pépou. Voilà. Voilà. Va-t'en, l'ascenseur arrive. Ok, tu veux? Tu joues? Cocktail! Cocktail! Donc il m'a tué. Il m'a tué en tant que dommage collatéral, ce bâtard. En gros, la première était très bien. La deuxième m'a niqué. En gros, je me suis cramé moi-même. J'adore. Bon, et hein, fuck it maintenant. On y va avec les couilles. Parce qu'on a plus le temps, hein. J'ai plus le temps. Voilà. Hein, voilà, on va se le dire. Bonjour, ta gueule. Voilà. Un. Des fois, faut prendre ses couilles. Oh, C'est quoi, là? Le jeu, il m'enculé. Y'a un mec juste devant lui et il fait... Ah non, je vais aller derrière, là où y a eu du son. Putain. Je vais y arriver un jour, hein, je vous promets. Et ça fait une demi-heure que je suis dans cette salle. Hein. Une demi-heure. Ok, là j'ai un peu... Oh, un peu mort. Ouais. C'est dommage, tout à l'heure, j'étais à peu près pas mal, hein. Il m'avait pas vu, tout ça. Ce qui est chiant, c'est que le lance-flamme, je pense qu'il faut mettre des plus grosses doses maintenant, parce que, bah, à force de, tu viens un petit peu moins plus vénère. Donc, il a plus envie de goûter à mon feu. Mon feu sacré. Je me dis, est-ce que je peux pas tenter le coup de poker de sauvegarder? Ouh, on a entendu le son de il allait me niquer. Je l'ai eu avant. Est-ce que je peux pas carrément tenter l'arnaque? Sauvegarder la partie. Le jeu il est en mode, y a aucun ennemi. Hein. Y'a rien. Le jeu il m'a dit y'a rien. Hein. Vas-y. Viens, l'alien. Voilà, très bien. On sort le cocktail parce que là... Maintenant, on essaye d'aller à la porte. Je suis pas là. Non, je suis pas là. Cette flamme n'indique aucune position.
Oh, c'est ça, viens, 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 viens. Ok, il s'est chié dessus, apparemment. Casse-toi. Maintenant. Il revient. J'en ai un autre. Et je serai prêt à l'utiliser. Ok, ok. Ça va pas m'énerver du... Après, j'ai sauvegardé. Est-ce que, du coup, ça va pas me sauver le cul? En mode, ça a réinitialisé les attitudes de tout le monde. Trop tard à l'utiliser. Ouais, je sais. Mais maintenant, l'alien a oublié qu'il devait arriver. C'est ça l'idée. C'est je joue avec le jeu. Hein. Je joue sur le jeu comme un bâtard. Hein. C'est, là, c'est de la triche hein, à ce niveau-là. Hein. J'utilise le fait que la save me sauve le cul. Le gars, il est là-bas. Soit je perds la poule, soit c'est vraiment parti. Oui, c'est parti, tout à fait. Du coup, là, j'ai le temps d'appeler l'ascenseur. Normalement. C'est vraiment du grand n'importe quoi. On l'entend, il est là, hein, dans les conduits, hein, ce bâtard. Mais normalement, là, il sort pas. Donc tout va bien. Je vais juste aller me planquer dans cette salle en attendant. Hop là, pépouse. On attend. L'ascenseur arrive. Voilà. Ah, j'aurais bien aimé réussir tout à l'heure, mais c'est pas grave. Bon, faut que je trouve un autre jeu à faire après, je sais pas quoi faire. Un jeu un peu long quand même, hein, qui me fera quand même un certain nombre de lives. Mais je sais pas quoi, là, j'ai pas d'idée. Ah, juste un petit jeu, un bon jeu, quoi. Et horreur, si possible, parce que quitte à continuer un petit peu sur les jeux d'horreur du lundi. Je déteste ton pas. Peux t'en aller. T'es où? Allez, on se casse. Death Stranding, le retour. Faudrait que je le finisse, en vrai. Après, ça pourrait faire jeu de discussion, hein. Après, on pourrait faire... Ça pourrait refaire... ça ferait un lundi discute. Un lundi papote. Voilà, la place. Bien aussi, hein. D'accord. Comme ça, je remets les petits avatars, tout ça, pendant le jeu. Bon. Bon, vu que l'alien traîne encore. Ripley, ici le Torrens. Oui. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du cordon. D'accord. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en okay. position. Et en on face attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Je sens tellement la douille. J'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça sent la douille. Bonjour. Ça va, la pièce était simple à traverser. Bonjour, voilà, au revoir. Comme ça. Ah. Ah. Excusez-moi. Hein, ça va pas. C'est à gauche ou à droite? À droite, parce que à gauche ça a pas l'air très très. Hein. Après, bon, je disais horreur pour le truc, hein. C'est pas obligatoire. Échec des stabilisateurs en fuite. Ah! Il y a un peu un robot qui crame. Ok, je peux courir. Non, mais non, mais non. Et je reprends où? Et je reprends forcément là où j'ai sauvegardé. Vote le McDo, tu as cassé l'ascenseur. Ouais. Oh putain. Et merde. Quel bonheur. De jeu de merde. Bon, la prochaine fois je trace, hein, parce que là, je pense que... Qui va là? Personne, y'a personne, arrête de péter une durite. Oh, de me péter les couilles. Oh. C'était quoi ça? C'était rien. Oh, casse-toi, moi j'attends l'ascenseur. Cet ascenseur chronométré pour la vie, hein, quand même. Hop, je vais rendre malade tout le monde.
Allez, t'arrives. Il arrive. L'ascenseur qui met 3 ans à se garer, hein, quand même. Hein. Genre, c'est le pire ascenseur du monde. Hein. Allez, ouvre la grille. Merci. Voilà. On met... Bon. S'il peut... Il y a peut-être un point de sauvegarde plus près, plus loin. Mais... On va regarder, c'est pas grave. C'est horrible parce qu'il y a des sons qui ont les sons d'annotation de mon portable des fois de temps en temps. Un peu bizarre. Allez. Allez, l'alien n'est pas là. Ripley, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du cordon. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. On attend plus un tram qu'un ascenseur. Ah, ça c'est un ascenseur. Je me demande un descend. L'autre c'est un trap. Merde, c'est où le chemin? Pardon. Oh! Pas une save qui traîne? Si, il y a une save à côté. Putain, j'aurais dû tourner la tête, il y a une save juste là. Qui me ferait aller beaucoup plus vite pour la prochaine fois si je meurs. Mais bon, je vais plus mourir. Hein. C'est bon là, c'est fini. La mort est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à courir et puis c'est tout. Hein? Non, non, je fais rien. Mais non! Abandonnez la station! Abandonnez la station! Run for your life, ouais. Bon, là maintenant ça va être pougne. Je me demande, est-ce qu'il va mourir au bout d'un moment? Est-ce que je peux juste aller en arrière et me dire il va cramer? Et puis c'est tout. Ou est-ce que je passe là-dedans? J'en sais rien, on va tester. Allez! Quand tu sais pas, tu testes. Abandonnez la station! Ouais, ouais, j'abandonne la station. C'est où le chemin? Bah, le chemin? Y'a pas de chemin? Ok. C'était un conduit juste pour être un conduit, d'accord, ok. L'autre il est là. Est-ce que tu peux finir de cramer ta vie? T'es où? Bah ça va alors. Oh bah ça fait plaisir. Je vais vous attraper. Quoi? Ah non 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 non. Non tu viens pas me boire. Casse-toi. Voilà. C'est quoi le chemin? C'est quoi le bouton? C'est quoi que je fais? Utilitaire, rien de tout ça. Appuie sur le bouton du Clark. Chercher. Oui, mais je veux passer là. Comment je fais? Oh putain, faut que je mette l'électricité, c'est ça? Oh putain de sa mère. Ok. Code d'accès. Ok. Elle est où la carte d'accès? Que je le sache pour après quand je vais mourir. Quelle est la carte d'accès? Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Donc c'est qu'elle est... Étrange. Oui, oui, étrange. Ça doit être ici, mais je me sais pas où. Peut-être quelqu'un qui l'a. Sur le type écrasé. Ah, pas tort. Ouais, viens, viens, viens. Casse-toi! Ah, j'ai plus de jus! Le jus est très léger! 100 fois trop, succès déverrouillé. Oh! Bon. Bon! Ok. Now I know. Bon, faut juste que je trouve la carte. Si je trouve la carte, c'est bon. Je suis bien. Il est où? Abandonnez la station. Abandonnez la station. Attention. On va tenter l'arnaque suisse. Si, je suis court. J'aime courir. J'aime te faire marcher, mon gars.
Ouais, descends. Vas-y, descends. Descends, fils de pute. Dégage. Voilà. Casse-toi. Voilà. Oh. Rien. Sympa. Rien. Sympa. Rien. Sympa. Il est où l'autre con là qui veut m'attraper? Ah, recharge, pardon. Allez, veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Ah, ta mère. Pas lui qui l'a, merde. Putain, elle est où cette carte? Attends, le jeu il me dit là. Il me dit va là. Oui, je suis d'accord, va là. Putain, faut que je lise un document, c'est ça? Hein? On en est là? Faut faire de la lecture? Dernier acte. Le code est 1987, ok. C'est pas ça. Non, je sais. Il faut que j'aille à la salle 1987. Faut que je trouve un truc 1987, je sais pas où, mais faut que j'en trouve un. Bon. Bon, me débarrasser de l'autre con, déjà. Déjà, on se débarrasse de lui, ça va être bien. La gueule. Ah là. Voilà, déjà. Maintenant, je peux commencer à marcher silencieusement en me disant peut-être ça va m'aider. Je sais pas, mais peut-être. Maintenant, faut que je trouve la porte. La porte où il y a besoin d'un code. Il peut y en avoir une. Je l'ai pas vue. J'ai vu qu'il y avait un machin, il disait carte d'accès, mais la carte d'accès elle doit être dans la salle que je peux pas aller. Là, j'y vais pas comme un bourrin. Si, il est là. Oh, il sait pas où je suis, on est d'accord. Oh, il sait pas où je suis, là. Et tu sais pas où je suis. Ok, c'est où je suis. Quel bonheur! Bon, faut que je trouve la bonne série. Et après, ça va bien se passer. Allez. On fait ça bien. Bon, je sais qu'il arrive. Coucou. Voilà. Échec du stabilisateur orbito. Excusez-moi. Abandonnez la station. Schlick! Bon, j'ai un cocktail Molotov. C'est une bonne nouvelle. Une bonne chose. L'autre là-bas, je lui envoie dans la gueule, et puis c'est tout. Hé, hey, tu sais quoi? Voilà, casse-toi maintenant. J'ai plus de voir. Bon, le code. Bon, on regarde le code, comme ça il est content le jeu. Voilà. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Là, y'a rien, y'a rien. Bon. Ça m'étonnerait que ce soit le machin là. Qui était là. Ouais, carte d'accès requise, yes. But, there is a problem. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. But, je vis où? Ah, c'est ça. Si, c'est ça. C'est un placard, ça. Voilà, parfait. Done. Ok, deuxième dose. Non. Bon, maintenant, c'est bon, c'est bon. On a la série. On sait où on va. On sait où on va. On sait ce qu'on fait. Je vais y arriver. Je promets, j'y arrive. Je promets, je fais ce qu'il faut. Bon, j'espère que ce que je fais ne bousille pas toutes mes munitions et elles seront vachement utiles plus tard, parce que si c'est ça, je pleurerai très fort. Échec des stabilisateurs en orbite. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Ta mère. Nique ta mère. L'autre. Tu vas aller manger un cocktail.
Voilà, casse-toi. Blablabla, 1984. Ou 1984 comme le roman d'Orwell. On va chercher le truc Fissa. Maintenant qu'on sait où il est, on va peut-être pas laisser le temps à l'alien de revenir. Hein. Bah, peut-être, je vais peut-être aller assez vite. Carburant. en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Le carburant. Voilà. Allez, fous ton truc là-dedans. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif. Voilà. Maintenant, on se casse. Vite. Et on se casse. Porte fermée, c'est pas bon ça. Mais non! Mais merde! Ok, ça va être chiant. Après, je joue dans la plus grosse difficulté. Il faut que je me dise que c'est normal que j'en chie autant. C'est normal. Si j'étais pas en difficulté max, ça se passerait beaucoup mieux. Ça se passerait plus vite, tout ça, j'aurais moins chié. Tout ça. Après, limite, on va essayer de passer en loose dé. L'alien. Peut-être, hein. On va essayer. Ah, il m'a vu. En fait, quand il est enflammé et que moi, il me passe à côté, je crame. L'alien, il a une technique de meurtre absolument pétée. Genre, il sait que lui, il est inifugé, il se dit, hey, tu sais quoi, je passe à côté des gens et je les crame. Putain. Allez, s'il te plaît, pas le temps. Abandonnez la station. Luc. Quoi ? Bah, elle est passée où le clou ? Où donc il est passé le clou ? Hein ? Oh là là. Fait chier. Oui. Boots time. Ok, j'ai pas été patient. Ça se voit que j'en ai marre. Hein ? La question, c'est que même là, l'alien, je me dis, mais comment tu veux que je l'esquive ? Il arrive dans la pièce. Est-ce que si j'en sors... Peut-être. Abandonnez la station. Est-ce que si j'en sors, il se barre ? Où est-ce qu'il vient à moi ? J'en sais rien, peut-être. Allez. Parce que là, il arrive. Voilà. On va rester au calme. Il sait pas où je suis pour l'instant. Est-ce qu'il peut pas se casser ? Ah, si je vois la porte s'ouvrir de loin, le nique. Hein. Le mec, il est prêt. Hein. Comme ça. Alerte ! Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique. J'adore parce que tu vois le vaisseau tanguer limite en temps réel. En mode, il va à gauche, il va à droite. Parce que tout est pété dedans. Bon, il est où ce bâtard ? C'est barré ? Tu ne sais pas où je suis. Casse-toi. Mais casse-toi. Casse-toi. Rentre dans ton machin. Allez, rentre dans ton conduit. Non, maintenant, il rentre plus dans les conduits, hein, je pense. Hein, c'est mort. Je pense que c'est mort, maintenant, les conduits, il les prend plus. Hein. Il les prend plus. Bon, il est là-bas. J'ai un peu de temps. Si je peux gagner de la distance pour le virer... Oh ! Oh ! Ah oui ! Ah oui, casse-toi ! Que je puisse faire ça silencieusement. Si je peux. Oh, c'est trop beau. Oh, merci.
Oh, le jeu qui veut. Alléluia. Alléluia, il me dit merci. Oh ouais, s'il te plaît. Bon, je pense que quand je vais activer la machinerie, ça va le réveiller. Mais je vais avoir conservé un molotov. Et un molotov en plus, c'est bien. Ceci n'est pas un exercice. Pas là. Tu sais pas où je suis. Je suis caché. Hein, on est d'accord que c'est abusé. C'est genre, oh, il a la sensation du scénario. Genre, ah, j'ai acquis la carte, il fait je plante. Ça faisait longtemps, dis donc. Ça faisait longtemps que tu m'avais pas planté dans les mains. Bon, c'est comme ça, ça, bon. Ok. C'est bon, il m'a redit merde. Merde, j'arrive pas à avoir le son du jeu, là. Oh non, tu me fais chier. Oh non, là, t'es crade, le jeu. Non, tu veux pas me redonner le son du jeu? Ok, je vais quitter. C'est bien. J'arrive, hein. No worries. J'attends un peu que ça se recale. Ah, plein écran, dis donc. Non. Bon, faut que je remette le son. Allez, on remet la fenêtre. Allez, vas-y, rendu. Ah non, c'est vraiment merde. Là, tu me dis merde. Tu me dis le son de ce machin, c'est bedzaï. J'en veux plus. Vraiment ? Oh, putain. Comment je fais ? Ça c'est le pire, c'est OBS qui... Le jeu a planté, OBS il sait plus rien, il dit plus rien maintenant, c'est... Bon, alors, pour la forme, je vais mettre... Comment je fais ? Je vais réactiver le son de l'ordi. Ah oui, mais je l'ai pas mis. J'arrive, hein. Bon, pas avoir le son du jeu, c'est quand même un petit peu con. Hein? Alors, son ordi, vas-y. Pas génial, mais bon, au moins ce sera ça. C'est bon, on l'a. Parfait. Voilà. Bon, je fais au mieux, hein. Voilà. Allez! Tout cassé encore. Ouais, non, mais le jeu, il me casse tout. Genre, à chaque fois, ce jeu, j'avoue, j'ai hâte de le finir, parce que, dans un sens, j'en ai marre qu'il me casse les couilles. À chaque fois. Allez. Bon, alors, tout à l'heure, ça s'est bien passé, parce que je l'ai laissé se barrer. Abandonnez la station. On va activer l'alien, le regarder par la fenêtre et le voir se barrer. Une fois qu'il est barré, on va agir. Voilà, il sait pas où je suis. Patati patata. Lui, il est dans la salle. Là, il me voit pas. Moi, je le vois. Voilà. Donc on va pouvoir estimer de bonjour quand il se barre. Je suis obligé de faire ça, hein, parce que là... Et le deuxième coup, peut-être je peux réussir à le refaire en mode... Après avoir pris le pass, je ressors de la salle. Peut-être ça peut le faire. Voilà, il se balade. Vas-y, explore bien. Hein. Exploration de l'alien. Hein.
et après, moi, marchation vers destination. Après, dans un sens, c'est vrai qu'il y a une espèce de logique. Tu dois trouver d'abord le code avant de pouvoir le mettre. C'est logique. Dans un jeu pourri, tu connaîtrais... Enfin, dans un jeu sans logique, tu trouverais d'abord le code... Tu trouverais le code n'importe quand. Dès que tu le sais, c'est bon, tu le mets. Là, le jeu, quand même, a cette espèce de logique de... Non, tu dois quand même avoir acquis dans ta connaissance le code. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Ah oui, merde. Attends, hop, c'est juste parce que... Je remets le chat et le machin. Mifio. Ah, j'ai enfin l'alerte de live. C'est bon, il se casse ? Non ? Casse-toi. Casse-toi. Allez, je sais que tu peux te barrer. Je sais que tu vas t'en aller. Je le sais, tu l'as fait tout à l'heure. Quand tu ne trouves pas, tu te barres au bout d'un moment quand même. C'est dur, mais c'est long. Comme ma patience. Allez, casse-toi. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Casse-toi, gros con. Je sais que tu peux le faire, tu l'as déjà fait. Barre-toi. Barre-toi au loin. On t'a vu le faire. On sait que tu peux le faire. Allez, pépère. Barre-toi. Ça va me saouler, ce con, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était plus court. Après... Je bacouettais en même temps, tout ça. C'est un peu compliqué des fois de savoir. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. Oui, bah tu vas pas dans une station qui est en train de se viander, oui. C'est logique. Ça fait sens. Attends, est-ce qu'il faut que je me rapproche de lui et qu'il se barre ? D'ailleurs, je l'ai poursuivi, il s'est barré. Est-ce qu'il faut que je refasse la même manœuvre ? Genre ça le pousse vers la sortie ou une connerie comme ça. Tout à l'heure c'était à moitié ça qui s'est passé, je l'ai poursuivi. Genre j'étais à moitié dans la pièce. Ouais, peut-être c'est ça. Ouais, peut-être là il va se barrer. Parfait. Parfait, bon, la prochaine fois je me barre dans l'autre sens. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Je prends le machin et je me casse de la pièce. Je vais y arriver, hein. Putain, je pensais pas perdre autant de temps là. Allez, hop là là là. Prends le cocktail au cas où quand même. Bon, s'il est là, autant le griller, hein, je veux dire. Autant pas perdre de temps, hein. C'est con, parce qu'il est passé à ça de moi, et j'aurais presque pu l'avoir. Allez, on speedrun un peu le truc. Allez, tatata, et je me casse par là. Tout à l'heure, il m'a eu. Stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Allez, est-ce que tu reviens, petit con ? Non ? Oui ? Je l'entends dans les conduits, mais vite fait. Est-ce que c'est parce que j'ai fait un bruit tout à l'heure ? J'en sais rien. Bon, là, en fait... Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Attends, la porte était ouverte, ça veut dire qu'il est là ? Il se balade ?
peut-être prendre le lance-flamme plutôt là, vu que j'ai un peu de carburant. Oh, c'est à gauche ou à droite? C'est à gauche. C'est à gauche. Tu te fous de moi, c'est fermé. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Allez, stop l'une save. Please. Plus c'est chier ces phases là, c'est genre pas annulé. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur en état d'urgence. Ok, bon, on n'a jamais été aussi loin, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, ça a l'air calme. J'espère. Il va me sortir une vidéo à un moment, je vais être là. Oh, ok. C'est tout droit. Apparemment. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. S'il y a une save, ça va encore mieux. Quand ça fait splic-plic. Même pas quand ça fait splic-plic. Ça fait splic-plic, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, bon, faut pas que je passe là, on s'en fout. Pas rien. Ah! C'est un problème. Non, rien. Toujours rien? Ok, toujours rien. Quel bonheur. Oh, il va venir dans la pièce. Je le sens, il va venir dans la pièce. Oh, il y a une save. Prends la save. Ne meurs pas. Prends la save. He's good. Ok. On a avancé. Ok, l'avancement, c'est compliqué, hein, des fois. Hein. Alors, où que c'est que je faut que j'aille? Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. J'aille là. Il va me dire merde. Ah, porte fermée. Alors, le bouton est là-bas. Oh, ok, je suppose que c'est le conduit, hein. C'est l'idée. On suppose que c'est le conduit, hein. Y'a que ça, hein. Tombe pas dessus, s'il te plaît. Bon, je sens que ça va être encore un plaisir parce que je vois un code là-bas. Je vois une carte. Une carte à mettre. Allez. C'est une carte d'accès. Parfait. Ceci n'est pas un exercice. Après, le jeu donne quand même quelques carburants pour essayer de repousser l'alien comme il faut. Alors, il y a un bouton. Les boutons, faut appuyer dessus en général. C'est pas la carte d'accès ici. Gentiment. Oh putain, et forcément. Et là, ça va attirer le gros. Oh, quel bonheur. Non? Le gros s'énerve pas? Générateur opérationnel. Très bien. Parfait. J'aime. Continue. Donc l'autre, il vient pas. Moi, je suis content. Hein. Vendu, hein. Évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur. Ah. Non. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Voilà. Ok, il est con. Oh, quel con. Mais non. Mais replay. Replay. Putain, mais... C'est pas visé. C'est pas visé. Putain, mais quel... Connasse. Ah, ça mérite des claques, hein. Ah, il y a des claques qui se perdent, hein. Ah là 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 là.
Ripley qui balance son cocktail Molotov dans la vie. Bon, après, c'était pas mal parce que tout à l'heure, au final, il est venu là où j'étais. Sauf que là où j'étais, c'est plus là où j'étais. Donc ça allait. Bon, le petit. Bonjour. Je dégage. On fait ça. Donc, du coup, c'est normal que le gros ne vienne pas. Le gros ne vient pas tant que je suis pas. Limite, je vais aller dans le conduit. C'est peut-être une bonne solution parce qu'il va peut-être pas y aller. Hop là, le carburant. On fait ça. Du coup, ça a dû ouvrir cette porte où il est arrivé. Ouais, c'est ça. Il arrive là. Ok. On se casse dans le conduit. Je sais pas si c'est une bonne solution, mais c'est une solution. Il sait pas où je suis, normalement. Normalement, là, il sait pas. Il me cherche. Là, il me cherche. Non ! Dégage ! Casse-toi ! Ok, je me casse. Moi. Moi, je me barre. Où est la porte ? Et où ? Et où ? C'était là ? Non. C'est là-bas. C'est celle-là. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas... J'ai des couilles ! Avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur en pilote d'urgence. Ça passe. Bon, maintenant c'est où ? C'est où et je fais quoi ? Derrière. Ok. Là. Ok. Ah ouais, d'accord. Comme ça. Comme ça, monsieur est là. Cette fois, je sais que c'est un cocktail Molotov. Il faut que je lui balance dans la gueule. Je me demande si tu peux run. Genre, est-ce qu'on peut run vers une sortie ? En mode, tu le croises et tu fais nope ? Grande question, parce que ça a l'air scripté, du coup... Est-ce que c'est scripté en mode, fais la bataille ? Casse-toi. Voilà, barre-toi d'ici. Ah non, c'était scripté, c'était volontaire. Ah ! C'est pas bon, ça. Redémarrage général. Mais foutre Dieu ! Foutre Dieu de sa mère ! Non, non, je suis pas là. Tiens, ta gueule. Voilà. Putain de sa mère. Ok, bon, faut que je retourne au générateur. On va save parce que merde. Plus je save, plus j'ai de chance. Je pense. Des save à chaque point. Voilà, il arrive. S'il me bute, c'est pas grave. Voilà, bute-moi. Rien à foutre. La technique du jeu, la save me sauve. Potentiellement. J'espère. J'espère que la save me sauve. Oh. Je sais pas. J'espère vraiment parce que là, j'ai plus de rien. Là, bientôt, je suis à vide. Je suis à fucking vide, hein. Genre, je mets un clic, j'ai dépensé mon carburant. C'est instant. Bon, ok, on va être accroupi, on va voir. Non ? Ok. On reste calme. Je suis calme. Ok, là, l'alien, il est vénère, hein. C'est là où je regrette d'avoir utilisé un peu de carburant et de trucs à d'autres moments. Hein. Bon, après, faut bien. Hein. C'est y a un moment. J'y peux le choix, hein, quand même. Hein. N'est-ce pas ? Bien que j'avance. Hein, C'est juste ça que c'est chiant. C'est... Tu sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Bon, j'ai un chat tout cassé toutes ces 5 minutes, il me souhaite la bienvenue. Ah, ça arrive aussi des fois chez moi. Chez moi aussi des fois ça arrive. Bon, ça me fait chier. Ok, je ferai ça plus tard. Bon, désolé, hein, je regardais un truc en même temps. Non ? Appuyez sur un pot de touche, merci. Bon,
On va essayer de crapahuter, je sais pas si ça va m'aider. Peut-être passer dans le conduit. Le Mind Day, il va pas me retrouver. Ouais, j'ai couru comme un débile, hein, j'aurais pas dû. Hop là. Ok, il sait pas où je suis apparemment. Et il est pas dans ma pièce. Bon, c'est une bonne nouvelle, je peux aller là-bas. Est-ce qu'il est dans une autre pièce? Allez, bourrage du E. Voilà. Bon, générateur de ces morts là. Oui. La musique s'énerve, hein, j'y peux rien. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas où il est, hein, j'entends rien. Ok, il est dans la pièce précédente. Bon plan. Je sais pas où je suis. Oh. Il va pas me niquer. J'entends rien. C'est dégueulasse. Il est dans la pièce où j'étais. Si j'y vais lentement, je devrais pouvoir y arriver. Je suis désolé, je gueule. Là, il est en train de me poursuivre, en fait. Et il le sait pas. La musique, tu peux te calmer 5 minutes? Que je sache où je vais et que je sache où il est, ce con. Casse-toi! 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 Bon, est-ce que je peux faire un cocktail Molotov? Si je peux en faire un, je peux me sauver le cul. Globalement. Si je peux pas, je suis dans la merde. Bon. Putain, c'est pas la merde, non. Ah, j'avais presque réussi à l'avoir, hein, quand même. Hein. Genre... Mais si cette musique de ces morts ne me pétait pas les oreilles... Allez. Par les limites, faudrait que je l'attire dans cette pièce et que je l'y garde. Non, il va sortir là-bas. Ah non, il est là. Ah merde, non, je veux pas. Vas-y, casse-toi dans la pièce. Je sais pas où il est, hein. Il est derrière moi, parfait. Ok. J'aille plus vite que lui. Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi! Barre-toi! Comment je fais? Genre, je lui ai mis des balles, hein. Genre...
est-ce que j'ai une option? Un émetteur de bruit, je l'ai déjà fait, je peux le refaire. Comme ça, il ira peut-être. Il ira peut-être, et moi, je serai peinard. Allez, on y va. Je le jette dans cette pièce en faisant demi-tour et comme ça il y restera pendant un bon moment et moi je pourrai passer la pièce tranquillement. Allez, bourrage de... Je vais y arriver, hein. Je vais la voir, ce con. Hein. Active le bousin. Moi je prends l'émetteur de son. Ça, je vais l'attirer dans la pièce. Il va rester là. Un bon moment. Où il est? Je sais pas où il est. Est-ce que le jeu est gentil? Ok, il est dans cette pièce. S'il te plaît, explore la pièce avant de venir me faire chier. Non, non, je suis pas là. La musique m'énerve, là. En vrai, la musique, elle me fait plus... Elle est en train de me vriller les oreilles, ça m'énerve. Tellement fort. Je suis tellement en train de vriller parce que... J'essaye de me concentrer sur un son particulier, mais je l'entends pas, du coup c'est la merde. Oh vache. Ouais, je crois que je vais falloir que je jette le truc ici en me barrant de la pièce. Comme ça, il viendra ici, moi je me casserai au loin, limite en courant. Pas moyen de réduire un dépens. Non, non, je peux pas réduire. Non, non, je crois qu'on avait déjà regardé, genre, l'audio, c'est de la merde. Après, si, il y a la musique. Allez, on va la baisser un peu. Vraiment histoire de dire. J'espère que ça va le faire. J'ai l'impression d'avoir rien baissé, là, hein. Quand même, hein, je pourrais dire. Voilà. Non, je la remettrai après, mais... Mes oreilles, hein. My Olay. Échec des stabilisateurs. GG, ouais. Non, parce que... Ah oui, alors, j'avais dit, je le jette là-bas. Comme ça, il va y aller. Va voir le son. Tu vas voir, c'est sympa, là-bas. Va voir la source sonore. Ce qui est très drôle, c'est que je pense que l'émetteur est censé faire du son, et on l'entend pas. Parce que du coup, j'ai bugué le truc. Le son de la musique et le son du machin doit être dessus. Putain, dis-moi qu'on entend les pas, parce que si on n'entend pas les pas, ça va pas être sympa. Ça va être pas, ça va tellement être sympa que ce sera sans pas. Je suis sûr, ils auraient été capables de faire ce coup de pute, hein. En mode, non, t'entends pas les pas de l'alien parce que... Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Quoi ? Il est là ? Je peux en faire un deuxième. Je peux pas en faire un deuxième. Fumigène ? Il sait pas où je suis. J'espère. Casse-toi. Allez, casse-toi. Ah ouais, va le voir, va le voir. Tu vas voir, c'est un bonheur. C'est tout beau, c'est tout rouge. Tu adores ça. Je vais limite save. Je peux. Si j'y arrive, je save. Vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre vous en soit donné par le coordinateur hospital d'urgence. Ok, on a des couilles. On va mourir, mais on a des couilles. Ouh, il m'a pas vu. Ok, mon chemin est là, on est d'accord. Il sait pas où je suis. Non, non, je suis pas là. T'as rien vu. T'as absolument
rien vu. Allez, je remets la musique parce que je respecte le jeu quand même un petit peu. Là, c'était juste pour les oreilles. Allez, on remet la tension. Bon, à la limite, je la baisse un ch'ti chouïa, histoire de dire. Oh ouais, quel chemin c'est là. Sébastopol, ici Diane Verlaine, capitaine du Torrens. J'essaie de m'amarrer à la plateforme de remorquage sous le terminal des vols spatiaux. Je vous informe que nous pouvons prendre des survivants. Allez, vendu. Allez, dis-moi qu'il y a une save. Dis-moi que ça save. Ah oui, ça va save. Enfin, j'espère, parce que sinon ce serait pas logique de changer de niveau sans save. Vous cacher n'est jamais qu'une solution temporaire. Non. Par contre, affronter le truc, c'est un pote. Là, j'ai pas eu le temps de fouiller les merdes qui traînaient. Malheureusement. Alors. Une save. On sait jamais, hein. Après évacuation, vous êtes... On sait jamais. Vous êtes prié de ne pas regagner la station avant Allez. Que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur en fuite à l'urgence. Oh là, l'écho que ça fait. Alors, je sais pas s'il faut que je crapahute ou pas. On verra, hein. On verra en temps voulu. Faut que j'aille où ? Par là. Suis ton radar. Ton radar est ton ami. Ah, sympa, des munitions de pistolet. Ça veut dire que je vois des humains ? C'est-à-dire qu'il y a des humains qui vont me faire chier ? Ou des robots ? Ah, d'accord, apparemment c'est par là. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'aime. J'aime pas ce qui se profile au loin. Le soudeur. Bon, ça va. Si c'est le soudeur, ça va. C'est tranquille. Soudeur, tu le fais, voilà. Allez, on utilise le soudeur. T'es obligé à chaque fois de le tester. Allez, je vais y arriver à un moment, hein. Je le promets. Bon, on passe de niveau en niveau parce que bah, voilà. C'est le moment apparemment. Alors, en même temps, là, on est en train de se déplacer dans toute la station. C'est là où tu te dis, elle est énorme. La station. Ah, succès libérer le Torrens. Eh, je suis peut-être à la dernière mission là. Je dirais que je suis à la dernière. Je dois être à la dernière à vue de nez. Je pense là, j'ai fait la mission 17 et du coup, il reste la 18 et c'est tout. Donc la fin. Oui! Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Ripley ne sait pas. S'enfuir du Sébastopol, oui. Verlaine, tu m'entends? Tu peux établir un contact radio? Je suis là! Ripley, je t'entends. Ça fait plaisir. T'es où? Non, mais non! Ok, je vais me soigner. On a pas beaucoup de temps, Allez, soigne-toi, c'est le moment. Si c'est la dernière mission, c'est le moment de se soigner. Voilà. J'ai regagné un clou ? Tu m'entends ? Oh, vas-y. Vendu, je sais. Ça sert à rien, mais je le fais. Bon. Alors, je suppose que c'est l'ordi. Hein, parce que ça serait à moitié logique. Est-ce que je peux lui tirer une petite balle dans la tête à ce con? Il faut que tu déploies les balles d'amarrage vite. Il y en a deux. Elles devraient pas être très loin. Voilà. Ta gueule. Procédure d'amarrage. Verrouillé. Ah. C'est pas bon. C'est où? Là-bas. Ok, c'est là-bas. Quasiment sûr qu'il y a l'alien qui veut me sauter à la gueule. Oui, non. Oui, non, j'en sais rien. Ok. Voilà. T'es où la sortie? Ah, bonjour. T'es où que je vais?
ça a l'air pas mal ici. Ah, bien. J'aime. Bon, je suppose qu'il faut que je retourne sur l'ordi. Semblerait assez logique. Comment je fais? C'est où? T'es là? Attends, je suis pas sûr de rien. On va dire que c'est par là, hein, parce que... Le machin, il a l'air de me dire non, va à l'envers. Mais où? Quoi? Quel ordi? Je suis paumé. J'aime pas être paumé. Bon. Après, tant que l'alien n'est pas trop énervé, ça va. Ça se fait. Si, il est énervé ce bâtard. Bon, apparemment, faut que j'aille en face. Et que j'aille un peu à gauche après. Là, face à moi, après à gauche. Tout droit. Tout droit, un petit peu à ma droite. Ah, c'est ces ordi-là? D'accord, ok. Fallait que je répare le bousin. Gagné. Bon, c'est bon, là, je peux aller déverrouiller le truc. Excusez-moi, il y avait un truc. Maintenant. Par là, ok. Par là. Why not? Je suis ce qu'il me dit. Ok, deuxième. Vendu, très bien, j'aime. Tous les systèmes d'amarrage ont été enclenchés. Marée initiale. Bien joué, Ripley. Maintenant, utilise le terminal pour déployer les pinces d'amarrage. Tout à fait. Ça va, ça se passe, c'est l'ordi. J'ai déjà niqué le robot, donc tout va bien. Hein, je suppose qu'après je vais des trucs orbitaux à droite. Ça semblera moitié logique. Et je peux avoir une save aussi. Voilà. Oui madame, bien madame. Quoi ce bordel? Quand tu me dis là-bas. Eh bah vendu hein. Il est là ou... Je sais pas si l'alien est là parce que j'entends rien, comme d'hab. Ok, apparemment je vais là-bas. Ok, la porte s'est ouverte, c'est bien. Le pont supérieur. Supérieur, faut que je monte. Je suis pas scientifique, hein, mais je dirais monter, c'est pas mal. J'aimerais pas passer sous ça, là, un truc enflammé où t'as des trucs qui te tombent sur la gueule. C'est pas hyper. Est-ce qu'il y a du matos que je pourrais peut-être me servir? Oh, de la camelote. Toujours bien. Le fait d'entendre le radar ne me fait pas plaisir. Munition de revolver. Alors, oui, mais non. C'est pas terrible, hein, quand même. Ouais, j'ai utilisé combien de munitions? J'en ai qu'une. Je recharge tout, quitte à faire. Oh, on sait jamais. Autant tout recharger dans la vie. Hein. Là, il y a une save. Ça vaut le coup. Ennemis proches, rien à foutre. Les ennemis peuvent être proches. Ils vont bien aller se faire mettre. Putain, je pensais pas chier autant à faire la fin. Là. En même temps, oui. Difficile ou difficile, hein? Je me mets dans la merde ou je me mets pas dans la merde? Si je me mettais pas autant dans la merde, ça irait mieux. Verlaine, il y a plus de cordon du personnel depuis un bail. Quoi? Attends, je peux utiliser la plateforme de maintenance à la place. Si je trouve une combinaison EVA, je peux encore vous attaquer. Oui, je sais où il y a des combinaisons. Je sais où il y en a. Alors. Ça y est.
Je sais où il y a une combinaison EVA, je l'ai vu tout à l'heure. I know. Allez au sas. Oui, bah... Je me doute bien d'où est le sas, c'est-à-dire en arrière. Hein? Quoi? Non? Si? Si? C'est ça. Il me semblait. Simulateur de mal de genou, hein, toujours. Hein. Non. T'es pas là. Je suis pas là. T'as rien vu. On va le poursuivre, hein. C'est une bonne solution, ça, de poursuivre un alien. On suit l'alien. Il n'y a aucun problème à ça. Je veux dire, c'est une très bonne idée. Hein. Tout va bien. C'est une idée de génie. Allez, t'en conduis. Hop là. Épouse. Épouse, il sait pas où je suis. Là, normalement, il y a une sortie que je veux prendre. Il est où, ce con? Il est au-dessus de moi. Moi, je vais là-bas. En face. T'as rien vu, t'as rien vu, mon petit cul. Enfin, moi, je vais ici. Tranquilou-quilou. On se change. Je suis... Ah, la musique qui s'est éteinte. La musique, elle a fait... Non. Non, j'ai pas envie. Je m'éteins. Au calme. Bon, j'espère que ça fait une save. Oh, 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 oh. Oh là, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, tu es d'accord? Je veux pas aller dans ton nid. Si je vais dans ton nid, je suis dans la merde. Parce que j'ai pas d'arme, j'ai rien. Je vais courir. Hein. Mais t'es infecté là, c'est obligé après, hein. Genre là. Bah là, oui, t'as dû être infecté. C'est certain. Là, il y a un œuf. Hein. S'il lui saute dessus, ça veut dire qu'elle est safe. Si elle lui saute pas dessus, ça veut dire qu'elle est déjà infectée. Ok, ça pue quand même. Hein. T'as pas une arme, t'as pas un truc, là Parce que là, il y a un œuf pas ouvert. Ça pue. C'est pas bien. Oh, t'es infecté de ta mère. Bon, allez, on se casse. Pas le temps. Ta gueule. Par là. Je sais pas. Erreur fatale. Ok. Bon, là, en gros, faut que je prédise où il y a les petits. Voilà, les deux. Non ! Bon, après, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas perdu. Ce serait étonnant qu'ils t'infectent en t'ayant déjà infecté. Ce n'est pas logique, parce qu'ils savent très bien quand t'es infecté ou non. Allez, accroupis le replay. La gueule. Voilà. Non, 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 non. Bah, d'où? Ok, on veut jouer comme ça. On veut jouer comme ça, en vrai. Hein? Ok, on va jouer comme ça. Je suis pas chiant. Ok. Non, non, mais hey, on va se tabasser. Tu vas voir. Ta mère. Voilà.
ta mère, ta sœur et tout le reste. C'est bon, j'ai eu les deux. Non. Et j'ai plus de jus, hein, donc s'il y en a un autre... On se casse. Voilà, ta gueule. J'ai plus le temps. Non, mais non. Ça va être chiant, ça. Ok, la phase finale, c'est bonjour, run for your life, but know where the enemy is. C'est vraiment ça que je trouve nul, c'est à la fois que je prédise que... Bah, dites donc, tout à l'heure, je t'ai éclaté la gueule, et là, non. 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 Genre non, j'ai pas compris. Tout à l'heure, j'ai réussi à l'écraser, j'ai pas compris. Mais d'accord. Bon, faut que peut-être que j'attende que je sois un peu hors de l'animation. Ok, ok, ok. J'y arriverai, hein. J'y arriverai, je promets, j'y arrive. Allez, sors de ton animation de bonjour, ça va pas. Voilà. Sors de cette animation. J'ai réussi à faire un truc, c'était... Je pensais que c'était normal, en fait ça devait pas être normal. Ok. 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 Ok, ok, on sort le gun. Hein. Sors. Ok, d'accord. Oh. Je vais y arriver. C'est la chienlit. Allez, sors, pépère. Voilà, tu vas sortir ici. Voilà, ta gueule. Voilà. Comme ça. Il me reste une balle. Pour celui-là qui est un moment derrière. Celui-là qui va m'arriver devant. Petit coup, hein, on essaye de... Allez, cours, Ripley. Pourquoi tu cours pas? Allez. Il me reste du jus ou pas? Bon, il me reste potentiellement un coup. Je dirais. Et là, je vais utiliser le gun. Je vais utiliser le gun. Pour le prochain. Non, je vais avoir le temps de tirer. On a le temps de l'entendre et de viser. Culant, ça devrait le faire. Voilà, ta gueule. Je sens qu'il y en a encore. Fumigène, j'aime. Ah, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Comment allez-vous, messieurs? Merde. Voilà, ou... Ah, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas ce que t'es censé avoir comme situation. En mode, il te voit et il te dit merde. T'es pas censé... C'est pas censé se passer si bien. Non, 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 monsieur. Non, monsieur, ce n'est pas censé se passer comme ça. Bon, reste accroupi, on sait jamais. Hein. J'ai un fumigène. Genre l'alien, quand même. Hein. Il vide pas les poches. Heureusement. Ah, ok, ascenseur. Tout va bien. Tout est bien. Bien dans le meilleur des mondes, hein. Je peux pas me remettre debout, c'est très bizarre. C'est très étrange. Bon, est-ce que je peux au moins ramasser un peu de stuff là? Parce que ça m'aiderait. Non?
faire mettre. Putain, je vais me faire tellement mettre. Genre zéro hein, dans les caisses, hein. Zéro. Hein. J'ai eu 2-3 caisses dans le jeu à un certain moment au mode « Ouais, on t'en donne un peu ». Là, c'est Potzub. Bon, où est-ce qu'il y a une tenue spatiale là que je puisse me barrer? Après, le fait qu'il t'attaque pas, en général, ça voudrait quand même dire « Bonjour, t'as genre une reine ou un truc comme ça sur toi et tu fais « La pute ». C'est pas très bien d'avoir une reine en soi. Ok, ça, j'ai pas besoin de recharge. Ah, ça save. J'aime quand ça save. Ok. Il faut que j'y arrive. Je sais pas où, hein, mais faut que t'y arrives, je suis d'accord. Ça le chemin. Pas ça le chemin. Et où le chemin? C'est là? Bon, je cours parce que là, je suppose que c'est... Putain. Oups. Trop de bruit à tirer de l'alien. C'est pas l'alien qui a été un problème, là, c'est le train. Il y a eu un petit tram qui m'a roulé dessus. C'est un détail, hein, mais il m'a un peu roulé dessus. Il faut que j'y arrive. J'avoue quand même, la meuf, elle a la journée de merde. Hop là. C'était chaud. Oui, c'était chaud, en effet. Ah, merde, tu es tombé dans le trou. Je voulais pas aller dans le trou. Non, mais pourquoi tu restes accroupi? Ripley, debout. Get up. C'était chaud. Oui. C'est où le chemin? C'est là. Voilà, il y a un train qui arrive, je parie. Non? Non? Je me disais, c'est bizarre. Oui, oui, oui. Ça, c'était prévisible. Hein. Le petit scare jump. Le petit scare jump des bonnes familles. Oh. Allez, let's go. On va là. Je suppose c'est ici. Ne crame pas, Ripley, s'il te plaît. Alors, il n'y a pas des munitions, une connerie là-dedans? Ok, c'est le chemin, c'est le machin. Vendu. Tu viens ou tu viens pas? Parce que j'ai entendu des pitis. Où est-ce qu'ils sont, ces bâtards? Oh. Crotte. Dis-moi que je recommence dans la pièce, s'il te plaît. Genre, gentiment. Dis-moi que je recommence là. Si possible. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, sois gentil. Sois gentil jeu à la fin. Sois gentil jeu. On est à ça de te finir. On est à ça de te finish. Sois gentil. Tu charges beaucoup trop longtemps à mon goût. C'est pas bon. Et là, il va me dire sauvegarde corrompue. Non. Oh non, non, non. Tu me fais pas ça. Allez. Putain, pourquoi il charge aussi longtemps? Planté? Le jeu qui fait chier. Ah, non, c'est bon. Ok, oh, ça va, il me remet ici. Vendu. J'aime. Vendu. Bon, maintenant, je sais à quoi m'attendre. Oui, oui, oui. C'est bon, j'ai eu les deux. J'ai plus de balles. Si. Ok, il reste une balle. Rendu. Oh, il arrive. Ok, ils sont à côté de moi, ces bâtards. Ils sont pas avec moi. Ok, ça va être un apprentissage. Trouver le bon ordre. Trouver le bon ordre de pour pas se faire niquer. D'accord.
Non mais je t'ai pas demandé de descendre. L'ascenseur il se viande ou... L'ascenseur s'est viandé. Je sais pas. Ou il va se viander. Non, franchement. What? Oh la pauvre. Oh la vache. Elle subit là. Hein. Oh la pauvre meuf quand même. Non, non. Nous emporte avec elle dans sa chute. La poussée gravitationnelle a tordu le remorquage. On n'arrive pas à décrocher de la station. Qu'est-ce que je dois faire? Sors du sas et pars en sortie extravéhiculaire jusqu'à la plateforme de maintenance. Il y a des verrous explosifs sur le décrochage d'urgence. Dépêche-toi. Ah ouais, les verrous explosifs, c'est une bonne idée, ça. Je laisserai pas tomber. Ah bah oui, là où t'en es arrivé, t'as intérêt à finir. Hein. Et là, il n'y a pas d'alien, c'est bon? Allez. On y va. Let's go. Let's go outside. Allez. On est sur la fin. C'est pas le bordel. On y va, on y va. Le Verlaine est là. Le vaisseau est là. Notre sauvetage est ici. Non, faut réussir à le faire. Bonsoir, ça va? Ça va. On est à la fin. On est à la fin. Enfin, on espère. Allez, il faut aller au bout du truc. Là où il y a le vaisseau. Donc tout pète. Tout est en train de péter dans tous les sens. Je suis potentiellement infecté par un alien, je suppose. Hein, parce que globalement, tu t'es fait capturer par un alien, t'as perdu conscience. Tes chances de pas être infecté, de pas avoir été pondu... Pas trop, hein. Pas trop ça. C'est pas trop ça, c'est pas trop ça. Bon, j'aille là-bas. J'appuie sur le bouton avant, non ? Non ? J'aille dessus ? Ah, pardon, excusez-moi. Toi, t'es devenu une mère porteuse, voilà, c'est ça. Allez, le rail. Tu ne lâches pas l'affaire maintenant. Soi-disant, il y a un truc de destruction au bout. Oh, le machin, il a fait... Je suis dans l'espace, mais j'y vais avec une intensité. Allez, ça se passe, ça se passe. S'ils vont faire une suite. Parce que j'avoue, je me rappelle plus de la fin. Hein. Là, ça fait longtemps. Je me rappelle plus de la fin. Je me rappelle à moitié de cette phase, je crois. Mais vite fait, quoi. Ouais, allez. Carte d'accès requise. Mais je t'emmerde. Débloque la carte d'accès. Voilà. Prends la carte. Insère la carte. Let's go. Maintenant, faut que je fasse le tour dans l'autre côté. Allez, on déverrouille le bousin. Oh là, il y a des aliens. Oh, il y a un alien. Oh, ça pue. Le paradoxe du bruit dans l'espace. Oui, bah oui, hein. Après, c'est toujours ça. Alors, ok. Runaway, ouais, bah c'est ce que j'essaye de faire là. J'essaye de déclencher l'explosif et de décrocher le vaisseau. Oui, je suis encore là. Vas-y. Ça, c'est quelqu'un qui a mis un son. Alors, j'ai quelque chose à faire ou quoi? Activer. Deuxième.
Là, c'est le stress de tu sais que tu vas te faire gauler, mais tu sais pas quand. C'est... Ah non, il veut pas. Le dernier, il veut pas se remettre. Ce bâtard. Va falloir que j'appuie dessus. Non, il est enclenché, d'accord, non, c'est bon. Oh là, oh là, panique pas, panique pas, panique pas, meuf. Le vaisseau va te sauver, j'espère. Oh là, oh là, oh là. Oula, fais quelque chose, je sais pas quoi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ok, alors là on comprend rien. Oh, la fin d'une traque. Succès déverrouillé. Ok, le vaisseau est en train de se crasher. Enfin, la station spatiale est en train de se crasher. Et nous, on était sur un vaisseau qui s'est barré en même temps. Bon, là, les aliens y résistent, hein, mais quand même. Hein. Le vaisseau, replay, qu'est-ce qui se passe? Continuez d'avancer doucement et prudemment. Ok. Ah! Verlaine, ok. Je suis en chemin vers le pont. Verlaine, parle-moi. S'il te plaît, réponds. J'aime pas que je répète que tu ne répondes pas. Pourquoi tu réponds pas, Verlaine? Oui, je reste accroupi, alors j'ai fait simulation de mal de genou 2000 depuis le début. Verlaine, réponds-moi. J'aime pas que tu me parles pas, c'est pas bien. Je m'amuse avec les trucs, hein. Ça sert à rien ce que je fais, mais ça m'amuse. Verlaine... Pourquoi tu réponds pas alors que t'étais hyperactif tout à l'heure? Oh, ça pue. Ah! Bah! Ok, attention, c'est une QT. Là. Bon, il n'y a plus de Verlaine. Là. Ok. Passe raté. Gauche, c'est pas ça. Là, ça touche. Droite. Ah ouais, d'accord, j'ai pas le temps, quoi. C'est bonjour. Bonjour, on va te faire mettre. L'alien n'est pas la seule menace qui rôde dans la station. Apparemment si, vas-y défonce-le. Je suis d'accord, j'ai envie. On va le faire. Je sais pas comment, allez. Verlaine, je suis en chemin vers le pont. Le pire moment du jeu où t'es là. Bonjour, t'as pas le droit de sprinter. C'est chiant, hein. Bon après, il y a une logique de pourquoi tu gardes ta... Alors que d'habitude ta combinaison, tu la vires dès que t'es dedans. Genre, on est d'accord. Là tu la gardes parce que on est sûr qu'on va aller voyager un peu dans l'espace, hein. Bon. Verlaine. Allez. J'espère que c'est la même série de touches. On espère, hein, parce que bon, dans un sens, c'est à moitié logique que ce soit là. Peut-être c'est scripté, donc ça va aller. Allez, après c'était gauche. Après c'était droite. Utilisé. Mais j'ai fait E. Ah non. Succès déverrouillé, replay terminé. Succès déverrouillé, survivant.
Ok. J'avais oublié que c'était comme ça que ça finissait. Voilà. On est dans l'espace. Ah, quelqu'un vient nous chercher, apparemment. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une suite ? Let's go vivre dans le vide, ouais, c'est ça. Peut-être, peut-être il y aura une suite, peut-être il n'y en aura pas. Après, ça, ça fait vraiment genre, bon, il y a possibilité. Hein. Voilà, et bah c'est fini, bien. Voilà, c'est bon. Merde, il y avait un message. Oh, je l'ai pas écouté. Bon, c'est pas grave. Bon, après, potentiellement, il y a le contenu DLC où en fait on joue le premier film, quasiment. C'est ça l'idée, c'est en fait... Tu joues le premier film, ce qui n'est pas hyper intéressant, à part pour moi, là, quand je vais vouloir jouer tout seul. Mais voilà, du coup, j'ai eu le succès des survivants. Terminer le jeu avec le niveau de difficulté le plus haut. Eh. C'est pas beau, ça. J'ai fait 39 succès sur 50. Alors, il y en a plein, je suppose que c'est en mode, j'ai pas fait plein d'actions, enfin... Bah déjà, il y en a, c'est... J'ai pas ramassé tous les collectibles du jeu, parce qu'il y a genre plein de machins à faire collectibles. Ouais, toutes les plaques d'identité, il y en a 50. Après, il y a 10 enregistrements du Nostromo. Contacter l'équipage et s'échapper des coms sans se faire attaquer par un androïde. Ouh, ça c'est dégueulasse. Terminer le jeu sans tuer aucun humain. Ah ouais, ok, c'est pas déconnant quand même. Tu es en Android à l'aide de seul outil de maintenance. Mais je le fais, ça. Bon, après, il y a d'autres succès, mais on s'en fout. Voilà. Eh ben, c'était très bien. C'était très bien. Ça reste un bon jeu, quand même, dans le genre horreur, tout ça. Donc, voilà. Après, je sais pas ce que je peux faire.